Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Cette image nous interpelle. Vous voyez sur cette image, croqueuse de diamants et longuet. Je m'interroge et j'aimerais que chaque Camerounais s'interroge. Cabral Nandjib, longuet et croqueuse de diamants forme un triangle. Quelqu'un vous a payé pour nous distraire? On s'interroge. Parce que ce qui se passe n'est rien d'autre que la distraction. Alors, voici donc où l'histoire commence. Croqueuse de diamants sort de nulle part et commence à partager l'argent. Pendant que les gens sont concentrés sur Croqueuse de diamants, Cabrel Nandjib sort également de nulle part et commence à clasher Croqueuse de diamants. Il y avait plusieurs personnes qui s'interrogeaient et jusqu'aujourd'hui, on s'interroge toujours sur l'origine des finances de Croqueuse de diamants. Parce que les gars ont même fait l'erreur à la base en donnant l'âge de 22 ans. Si on avait même dit 30 ans, on devait tomber dans le choking. Mais ne jouez plus le ndoshi dans nos têtes, parce que voici où vous avez faussé depuis le début, en donnant l'âge de 22 ans. C'est où nous, on s'interroge. D'où vient cet argent à 22 ans, à l'âge de 22 ans, avec tout ce que vous nous montrez comme bien. Alors, Cabral Nandjib, pendant qu'il clash Croqueuse de diamants, il y avait plusieurs personnes qui s'interrogeaient sur Croqueuse de diamants. Cabral Nandjib ne les a pas interpellés, ne les a pas touchés. Mais il part plutôt provoquer Longuet qui était calme dans son coin, qui n'avait même jamais fait allusion à Croqueuse de diamants. Comprenez bien le film, hein? Cette fois-ci, Longuet se réveille. Clash également Cabrel Nandjib, parce que dans les propos de Cabrel Nandjib, il disait que Croqueuse de diamants ne s'exprime pas bien en français. Mieux encore, Longuet, qui n'était pas à l'école, mais il s'est battu pour apprendre son français au quartier et qui s'exprime bien. Voilà où le problème. L'un dit ici que c'est Longuet qui a provoqué Cabrel Nandjib. Alors, Longuet se lève donc maintenant et commence à traiter Cabrel Nandjib de tous les noms que vous avez compris. Cabrel Nandjib refait surface en traitant Longuet de tout ce que vous avez entendu. Ah, oh, vraiment, les Camerounais, vous êtes forts. Vous êtes forts pour la distraction. Maintenant, pendant qu'on est concentré sur Cabrel Nandjib, Longuet sort aussi en disant que ma femme, on n'a même pas vu sa femme, un poste où sa femme a même fait pour dire que je vais porter plainte. Ma femme dit qu'elle va te porter plainte parce que tu as dit ceci, tu as dit cela. Moi, je dis que ça, c'est un film, un truc bien monté entre les trois. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un a formé un complot de guerre. On ne l'interpelle même pas pour savoir. Gars, c'était en quelle année et ça s'était passé comment? Non, il est toujours là. Alors, Longuet sort maintenant son tour et que on va t'interpeller pour ceci, machin, on va te porter plainte. Comprenez le divertissement et la distraction, hein? Ok. Pendant qu'on est concentré à attendre, peut-être c'est sérieux que Cabrel Nandjib va demander les excuses. Cabrel Nandjib revient encore l'insulter à nouveau. Pendant qu'il insulte à nouveau, Longuet est où? Au moment où il insulte, en train de cogner les verres de champagne avec Croqueuse de diamants. Les amis, analysez un peu, dites-moi, c'est quoi ce film? Pendant que Cabanandji continue à le clasher, à l'insulter de l'autre côté, il a encore cogné les verres de champagne avec Croqueuse de diamants. Longuet. Pendant que Croqueuse de diamants dit que non, laisse Cabrel Nandjib, il faut le pardonner. Il ne sait pas ce qu'il fait. Les Camerounais ne sont plus bêtes. Hein. Nous, on réfléchit déjà aussi un peu. Tout ce que vous faites, c'est la distraction. Vous voulez distraire les Camerounais. Pendant que les Camerounais sont concentrés sur vous, que Cabrel Nandjib a les problèmes avec Longuet, alors qu'en réalité, vous n'avez aucun problème. Peut-être que vous avez pris vos dos pour faire tout ce que vous êtes en train de faire là. Nous, on est là, on croit que vous avez les matas, alors que vous n'avez aucun matas. Entre-temps, les vraies choses se passent
de l'autre côté. Et les Camerounais ne sont pas au courant. Nous, on vous observe, on vous voit venir. On vous voit venir. Vous savez que les gars ont compris que, à l'époque, on disait que les Camerounais, les jeunes sont noyés dans l'alcool, machin, tu ne réfléchissais pas. Mais quand je fais mes analyses, les gars ont compris que, aujourd'hui, Internet est plus grave que l'alcool. Vous savez, c'est pas tout le monde qui consomme l'alcool. Il y a les musulmans qui ne prennent pas l'alcool. Quand on ouvre les églises un peu de partout, donc maintenant, il y a certains chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ne prennent pas l'alcool. Donc, ça permet que ces gens qui ne prennent pas l'alcool là peuvent avoir un œil par rapport à certains qui se passent de l'autre côté. Quand je ne sais pas, vous comprenez. Alors, les gars ont compris que mettons l'accent sur Internet, sur la distraction, créons les buzz. Pendant que les Camerounais sont concentrés sur les buzz, ping-pong, on positionne nos pions tranquillement. Vous comprenez, non? Là, maintenant, il n'y a plus question de musulmans, de rosicristiens, de ceci, sur l'alcool. Ce n'est pas un concept. Plus là. Internet, c'est pour tout le monde. Tout le monde est sur Internet. Même les PO, les MEO, toute catégorie, tout le monde est concentré sur Internet. Donc, on crée un buzz. On sait que pendant que on vous dirige à gauche, à droite, youp, quand vous revenez maintenant, vous n'êtes même pas au courant que quelque chose s'est passé. On vous informe seulement que pendant que vous étiez à gauche là, quelque chose s'est passé à droite. Est-ce que tu étais là pour voir? Non, c'est déjà passé, non. Tu gères seulement. Et c'est où on a compris que les Camerounais aiment le Congo ça. Chaque fois qu'ils vont faire les petits trucs en coulisses là, pap, on balance un beurre sur Internet. Pendant que vous êtes concentré là-bas, pap, l'affaire passe tout doucement. Ne soyez pas surpris quand on vous dit que le Joe qui était là-bas est rien ben. Mais pendant que vous étiez concentré sur Longuet, Coco de Diamant, Cabane a dit, tac, le gars est parti. Donc, c'est un film que ces gars-ci là, quand j'ai fait les analyses, c'est un film. Les gars sont en train de jouer le Ndoshi dans nos têtes. On est là. On est concentré sur eux qu'ils ont les problèmes. Pourtant, les gars en sont en train de manger leur dos. Regardez un peu. Longuet, plus d'une cinquantaine, se rabaisse jusqu'à venir. On va te dire se rabaisser, pourtant le gars fallait ses dos peut-être. Cogner les verres de champagne. Avec qui? Une petite fille de 22 ans. La petite fille de 22 ans, son tour, dit que non, laisse Cabana a dit, pourquoi demain on dit que bon, il a laissé la fête tomber grâce à cause de la croqueuse de diamant avec son bon cœur. Non, vous êtes fort, vous êtes trop fort sur Internet. Vous êtes trop fort. Tout le monde est concentré sur vous, non? Maintenant, c'est que ce n'est plus Cabana a dit et Longuet, c'est maintenant croqueuse de diamant et Longuet. Mais moi, je vous dis, un jour, la vérité va sortir. Tôt ou tard, on va connaître où l'argent là vient croqueuse de diamant. Vous pouvez nous distraire, vous pouvez cacher comme vous voulez, mais un matin, la vérité va sortir seule et les Camerounais vont comprendre le film. Jouez bien le Ndoshi dans nos têtes comme vous jouez là, il n'y a pas de problème. Nous, on est là, on vous observe. En passant, si quelqu'un trouve un matériel ou bien un objet qui l'intéresse sur Internet et qu'il souhaite avoir ça, il n'a pas les possibilités d'aller acheter ça en main. Contactez Easy Market. Il achète ça depuis l'Europe. Il vous amène ça au Cameroun. Il vous donne ça. Il vient même sur votre lit vous donner. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Ok, abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.